What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va donc parler à propos de ce fameux DLC normalement qui, beaucoup de gens en ont parlé tout. Moi d'ailleurs au passage sur ma chaîne j'en ai pas vraiment parlé, je pensais pas vraiment que ça allait sortir et tout. Et que pour l'instant on n'a pas de DLC Saint-Valentin, alors tout simplement je pense pas qu'il va en avoir et normalement il y en aura pas de DLC Saint-Valentin puisque quand même c'était hier la Saint-Valentin. On peut se dire que voilà, c'est un peu mort quelque part. Et j'ai des petites choses à vous dire à propos de ce DLC là. Déjà une première chose, parce que j'ai pu voir quand même pas mal de gens qui critiquaient quelque part Rockstar, et c'est vrai que c'est un peu décevant je trouve de critiquer, parce que premièrement ils n'ont jamais avoué comme quoi il y aura de DLC Saint-Valentin. Il y a eu des gens qui en ont parlé, des youtubeurs qui en ont parlé, qui ont donné des leaks et tout. Moi personnellement j'en ai pas du tout parlé, je me suis dit bon peut-être qu'il est possible et tout, mais j'ai pas fait de vidéo en fait sur la Saint-Valentin, en tout cas pour cette année 2015. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquent et tout. Alors première chose, c'est que Rockstar n'a absolument rien dit sur ça, et donc forcément bon, on n'a rien trouvé sur ce DLC là. Il s'est rien passé. Alors il y a peut-être plusieurs raisons, et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans quelques semaines on va retrouver un très 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 gros DLC qui sera sur le braquage, normalement. Donc ça va se situer, il y en a qui disent maintenant au mois de mars, début de mois de mars, alors ça sera à mon avis fin février, début de mois de mars, enfin en tout cas avant la date de sortie de GTA 5 sur PC. Première chose, donc honnêtement, c'est que Rockstar n'a rien officialisé là-dessus, donc faut pas les attaquer en disant oui c'est pas bien et tout, ils ont rien fait et tout, c'est des feignasses, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est, moi j'ai vu des commentaires comme ça, j'ai fait waouh, c'est quand même choquant quelque part. Deuxième chose aussi, c'est que en fait tout simplement le DLC Saint-Valentin qui s'est déroulé donc l'année dernière, puisqu'il y a eu un DLC, il y a eu pas mal de soucis, de glitch, de gens qui ont profité de ce DLC là qui n'a pas été un DLC on va dire assez bien développé, et en fait ça a créé des petits soucis. Et c'est vrai que peut-être qu'ils se sont dit bah finalement, alors soit ils ont eu la mort et se sont dit on va rien faire avec ce qui s'est passé l'année dernière, soit tout simplement ils ont pas l'idée de remettre le même DLC, enfin le DLC Saint-Valentin. Ils ont pas eu spécialement de grosses idées pour créer un DLC, et se sont dit bah finalement on va rien faire. Et puis surtout faut savoir que dans quelques semaines normalement on devra avoir ce fameux DLC braquage. Mieux vaut qu'ils se concentrent vraiment sur ce DLC là que de faire des petits DLC, et après donc on se retrouve avec ce gros DLC qui peut être foireux à la fin, parce que on peut se dire qu'il peut avoir beaucoup de déceptions à la fin, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ce DLC là, donc on s'attend tous à quelque chose de super gros. Et c'est vrai que quelque part faut s'attendre à quelque chose de gros maintenant, forcément avec le temps qu'on a attendu pour ce DLC braquage, quelque part maintenant voilà, faut s'attendre à ça. Une autre petite chose aussi que je tenais à vous rajouter, c'est que ça fait quand même un peu plus de 60 jours qu'on s'est retrouvé sans DLC. Ça fait pas mal de temps. Normalement, on devrait se retrouver d'ici très peu de temps, enfin, normalement, avec une nouvelle mise à jour. Ça fait 60 jours quand même sans DLC. Et je tenais aussi à vous rappeler que les DLC sont gratuits. Hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que j'ai spécialement vu des gens qui critiquaient et tout. Et c'est gratuit. Rockstar gagne de l'argent, vous savez, grâce à ce système d'argent qu'on peut aussi envoyer et tout, enfin en gros gagner de l'argent facilement et tout, et bien sans faire de glitch bien sûr, c'est pour ça que c'est interdit, parce que Rockstar ça les arrange pas du tout. Vous pouvez un peu payer pour avoir de l'argent et tout, hein, donc c'est un peu ce système là. Et les DLC c'est complètement gratuit, et c'est vrai que ça coûte assez, enfin ça doit coûter assez cher. En tout cas voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le geste il est plutôt bien et tout. Et j'ai pu voir aussi certaines personnes qui ont dit comme quoi ils voulaient s'acheter la Roosevelt avec ce fameux DLC Saint-Valentin. Enfin voilà, beaucoup de gens se sont attendus à ce DLC là, bon il n'a pas eu lieu. Et je pense que ça n'a pas besoin d'avoir de déception, parce qu'on va avoir dans quelques semaines un gros DLC normalement sur le braquage. Et que ce qu'il faut s'en rappeler quand même, c'est que c'est gratuit et qu'ils sont pas obligés de le foutre gratuitement. Donc je trouve que ça reste, voilà, ça reste assez correct. En plus de ça ils en ont pas parlé, donc voilà, c'est juste des paroles qui ont été en l'air. C'est comme ça, et finalement il n'y a rien eu. Alors il y a peut-être certaines raisons comme je vous ai expliqué. On peut dire que tout est possible, je pense plus particulièrement que ce soit là, déjà que l'année dernière il y a eu des petits soucis et tout, et que cette année là ils n'avaient pas vraiment trop d'innovation, trop d'idées en fait dans ce DLC là, et ils sont plus concentrés en fait sur ce DLC braquage qui peut arriver peut-être plus tôt que prévu, parce que forcément là on n'a rien eu comme mise à jour, enfin en tout cas de DLC avant, depuis 60 jours, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'est retrouvé avec rien du tout. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.